Ayo. Ayo. Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Comment on fait pour retourner? Ah ouais, comme ça. Un nouvel épisode de Darksider Genesis, pardon. Toujours à la poursuite de Lucifer. Et là, on doit tester. Donc après avoir fait l'épisode 6 et où on a tué Mammon, eh ben on doit aller. Wow. Faut que je change ma manette. Arrête, bouge plus. On doit aller tester l'arène. Bah, c'est parti. Pour récupérer un objet ou je ne sais quoi. Alors, en gros, faut affronter des vagues d'ennemis. Je crois que c'est j'ai oublié, mais je crois que c'est 10 vagues. C'est 10 vagues et après et après on a une récompense ou un truc comme ça, je crois. Ah bah il est mort tout seul. Ah, le pistolet. Et donc ouais, on va affronter des monstres de plus en plus forts et... Et je pense que la 10e vague, on va affronter un boss ou un truc comme ça. Oh, je vais mourir. Vas-y, lâche-moi, toi. Bam! Et voilà, on arrive à la fin.
comme j'avais dit, le boss. Ouh là là. Ok, donc j'ai l'impression que les bébêtes viennent toujours. Aïe, aïe, aïe. On va reprendre une popo. Faut que je fasse plus attention, j'ai remarqué ça, faut que je fasse plus attention à ma vie en fait. Et donc faut que j'utilise plus mes... Au moment où je sais, je vais peut-être me répéter, mais pour l'équilibre. Oh oh oh, au moment où je fais l'esquive, talisman de Bélial, voilà. Première arène terminée, total 1330 PA, je ne sais pas à quoi ça sert. Ennemi tué 99, temps 6 minutes, bonus de progression plus 500 PA, ok. Je pense que c'est... fais voir les récompenses. 1330, ah oui, je peux choisir, c'est vrai, je peux choisir la récompense que je veux. Pardon, et comment dire. Qu'est-ce que je disais? Non, c'est là. Non, c'est là-bas. Je ne sais plus. 1330 PA, 81. Oh, pas mal, cavalier. J'ai entendu dire que vous aviez fait du ménage dans l'arène. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon genre de loisir, ça. notre genre de loisir. Je vous aime bien, tous les deux. Oh, le talisman. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait, exactement? Il ne fait rien. Mais il appartenait autrefois à Bélial, et il est toujours empreint de sa puanteur, pour ainsi dire. Il m'aidera à suivre ses pas maladroits dans le néant. Bien. Plus vite il mourra, plus vite on pourra s'intéresser à notre prochaine cible. Je ne peux pas te mener jusqu'à sa porte, cavalier. Seulement jusqu'à son domaine. Bélial n'a pas de domaine. Comment est-ce possible? Il en possède un maintenant. Considère cela comme l'un des présents de Lucifer. Un cadeau destiné à satisfaire son immense faim. Samael en sait plus que moi à ce propos. Allez lui parler pendant que je vous ouvre le chemin. Bon bah allons voir Samael. Apparemment des gens font des choses pour Lulu et Lulu leur donne des territoires et de la puissance. D'ailleurs, explique-moi ça. Quand est-ce que Bélial est passé du rang de porc indigne à celui de propriétaire d'un coin de l'enfer? C'était l'offre de Lucifer en échange des services de Bélial. Lucifer lui a accordé 3 rôdeurs sépulcraux pour le protéger et un lieu en enfer où créer une arme pour Lucifer. Une arme que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Des rôdeurs sépulcraux. Bélial n'est toujours pas capable de se défendre tout seul. Toujours est-il qu'entouré de ses rôdeurs, Bélial sera inarrêtable.
Vous devez trouver un moyen de les éliminer, afin qu'ils ne puissent pas les invoquer lorsque le moment sera venu. Trouver un moyen ? Pourquoi ne pas simplement les éliminer ? Les rôdeurs forment un serpent à trois têtes, lié par une force invisible. Affronter le plus grand des trois est une entreprise difficile. Je vous suggère de trouver où il puise sa force avant de l'affronter. Et l'arme que doit créer Bélial ? L'œil clairvoyant permettra à Vulgrim d'en apprendre davantage pendant que vous anéantissez les rôdeurs sépulcraux. Lorsque vous reviendrez, si vous revenez, nous nous occuperons d'elle. Si. Alors, je pense que ça va être tendu. Voyons voir à quel point je suis à la ramasse. Mammon, déclin, 300, je suis à 422. Non, ça va être bon. Ça va être bon. Enfin, ça va être bon. On verra bien. Aujourd'hui, les rôdeurs sépulcraux meurent. Rien ne se dressera sur notre chemin. Je me fous de savoir comment on va faire. Faisons-le, c'est tout. Allez, c'est parti. C'est quoi ça, des zombies les... Ah, c'est des ghouls. Ah d'accord, ça me baisse au niveau du courroux en fait. Et ça me baisse mon truc, mais ça me monte ma santé de 10. Ah, puis après, de toute façon, je suis obligé de le mettre. On est où ? On peut aller dans l'eau ? Ouais, on peut aller dans l'eau. Bam dans sa tête. Alors. D'accord, mais ça, je sais pas encore comment on l'utilise.
Ah, dommage. D'accord, on peut pas y aller parce qu'il faut le truc dans... Arrête! Ah, bah je viens de trouver un. Bon, allez. Continuons. Bon, alors ça j'ai appris que c'était plus tard que je pourrais le casser. Alors, d'accord, donc c'est par là. On va regarder vite fait là. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que je vois là-haut? Ah.
Intéressant. Alors. Soldats squelettiques augmente le taux d'apparition d'orbes de santé de 3,75%. C'est tout bon ça. Alors, augmente la santé. Et ça, activer la ruée, 25% de chance de créer. Une traînée de lave qui inflige pendant 5 secondes. On va prendre ça. Hop. Alors. Où je suis? Je suis là. Ça doit être par ici. Donc en face, c'est pas possible. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? Désolé, hop, je prends vite fait. C'est une thune. Ah, ça meurt vite, ça, c'est des. Bêtes, des petits trucs. Éclat de gemme pour Discord, ça c'est pour monter la santé. D'accord, c'était une petite zone cachée. Bah c'était cool. D'habitude, c'est bien parce que d'habitude, faut appuyer sur un bouton pour rentrer dans ce genre de salle. Et là, non. Donc. Oh oh! Voyez où ça? Ah merde, j'avais pas vu! Ah merde, tu... Non. J'allais dire, je suis tombé, c'est bon, mais non. Je suis où? Ah, je suis là. Comment ça me saoulait, lui? Les archers de merde là. Faillez m'avoir. D'accord, je veux bien, mais ça me dit. Ah, voilà. Bienvenue dans votre dernière demeure. Très original. Oh, monsieur, il charge. Pourquoi
ont changé. T'es obligé. Alors, archer squelettique. Tuer un ennemi augmente la vitesse de déplacement du personnage de 2% pendant 6 secondes. Excusez-moi. Comme ça. C'est cool. Voilà. Alors, bah on continue. Bon, on peut revenir. On a eu le premier des trois gardiens, je crois. Je sais plus comment on les avait appelés. En tout cas, on en a eu un. Ouais, les trucs là, je crois qu'il faut les avoir de l'autre côté. Alors, bah continuons. Ici. C'est coquet ce qu'ils ont fait là. Ils ont vraiment réussi à sublimer cette ambiance de terreur et de corruption infinie. Tous ces tas d'eau sans âme qui obéissent aveuglément aux ordres d'un gros tas d'immondices démoniaques et veulent. Et donc ? On peut pas finir comme eux. Je sais qu'on a juré d'accomplir notre devoir, mais une partie de notre destin reste encore entre nos mains. Si tu continues à geindre, je risque de moi-même te transformer en t'adossement. Hé, hey, Guerre, c'était... une blague ? Ah non, c'était une menace. Tu as choisi ce destin, Discord. Pourquoi en douter maintenant ? J'aime être une machine à tuer surpuissante. Vraiment, j'adore ça, mais... Mais ce n'est pas pour ça que tu es devenu un cavalier, c'est ça ? C'est un avantage sympa. Ça fait aucun doute. Tu resterais un tueur, même sans le conseil. Alors qu'est-ce que tu attends de lui ? Oh, c'était profond, sa guerre. Je suis impressionné et un peu perturbé aussi. On peut parler de nos sentiments une autre fois ? Ah là là, guerre. Guerre. Discord. Je l'aime beaucoup. C'est là. Ah, d'accord. Voilà, je les ai eus. C'est-il pas beau tout ça? Alors. Non, ici y a rien. Ça, c'est pour appeler un ami. Ah, bah c'est là.
Là, il y avait rien à prendre. Attends, là. Non. Ennemis dans les parages. Le deuxième squelette. Enfin, je dirais le deuxième. Le deuxième guerrier squelette, pardon. Alors, je suis un guerrier squelette où je me trouve. Cette zone-là, je ne sais pas à quoi elle sert. Oh, il y a des monstres. Alors, j'avais appuyé sur B. Oh, que c'est joli. Par contre, je sais pas pour vous. Mais c'est moi ou ça manque cruellement de coffres en fait au niveau des coffres. J'ai trouvé une zone. Oh là là là, attends, si je vais là je vais retourner en arrière. Ça, c'est la map, d'accord. Voilà, la carte. Oh, tout ce que j'ai loupé. Oh là 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 là. C'est pas grave. En off, de toute façon, j'y retourne pour essayer de faire le 100%. Donc, voilà. Nous allons mettre le bras. Ah là là, j'ai un peu de mal avec ça. Voilà. Comme ça. Hop. C'est moi ou c'est bizarre? Ah mais non! C'est moi qui suis débile. Il faut que j'utilise le bras spectral peut-être. Mais non. Mais non! Ah là là! C'est comme ça que je veux faire, voilà. Donc, il faut que je me colle, mais pas trop. Et que je le jette avant que ça pète. Ce cristal usé a l'air de faire partie d'un mécanisme de verrouillage.
route. Bah il est pas là le mécanicien. Attends, je suis venu ici pour rien. Je croyais qu'il y avait un morceau de... Ah, il y a un truc là. D'accord. D'accord, j'y suis allé pour un coffre. C'est pas grave. Par contre, d'accord, je me disais, du loot, enfin, du loot, tout ça pour ça, mais bon. Pipa pipa pou, bah voilà, on est parti. J'ai trouvé le mécanisme, ça doit servir pour là-haut. Veuillez m'avoir. Un de ces cristaux est actif. Il en manque deux. Qui peut perdre un cristal ? On en a besoin pour déverrouiller la porte. J'imagine que quelqu'un va devoir les retrouver. Alors. Je sais, c'est pour nous. Donc, il dit un de ces cristaux est actif. Oui, là. Donc, c'est celui que j'ai trouvé, je pense. Il m'en manque deux. Il manque deux. Ah bah, je crois qu'il y en a un là. Non ? Maintenant, ici, je crois que c'est ici que j'ai affronté le squelette. C'est peut-être ici. On va retourner en arrière, on verra bien. Ah, quoique, ici, il y a un truc que j'avais pas vu. Excusez-moi, hein, je sais. C'est peut-être avec le. À cause de la luminosité. La luminosité. Des fois il fait sombre et on voit pas. Ouais, super Captain Obvious. Il fait sombre, on voit pas. Ouais, super. Vu alors. Tac. Non, comme ça. On va te mettre. On va en mettre un ici. On va mettre. Un ici. On prend le grand. On va viser à la veuglette. Ça fait deux. On va aller vérifier ça, à moins qu'il le dise sur la map, non ?
Ah non. Ah bah, en fait j'avais les deux, d'accord. Super. Enfin, en tout cas j'en avais un. Voilà. Non, on peut pas passer. Alors. On est où? On est là. Il y en a un gauche et un tout droit. Ok. Il y a un frisson dans l'air. Nous approchons de quelque chose. Puissant. Tu veux que j'aille te chercher une couverture? Je vais faire ça toute la journée. Forgés dans les flammes de l'enfer, les trois seigneurs de la mort sur leur maître veilleront tant qu'ils seront et combattront. Une puissance presque infinie, les serviteurs te défient, leur terrible force indicible pour démons et hommes invincibles. Sympa. Je vais aimer ce combat. Je suis où là? Ah ouais, non mais je suis trop bas. Ouais, j'aime bien, c'est marrant. Alors, ça, je peux pas le péter. Parce qu'il me faut un pouvoir que j'ai pas. D'où le fait qu'il va falloir que je retourne dans des anciennes zones. C'est pour ça qu'on peut pas faire le jeu en 100% d'un coup. Les morts vivants n'ont littéralement pas de sang. Forcément dans les barrages. Ah, c'est ce mécanisme là, je sais pas encore à quoi ça sert. Ou à droite, c'est... j'y aurais en off. D'accord. Continuons tout droit. Ah non, 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 pitié, pitié, non. Oh, bordel, c'est... Je suis coincé. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce jeu? Comment je peux faire pour me... Ah, c'est bon. Alors... par contre, la porte là, elle est fermée. Bah donc je vais... bah voilà.
bizarre. Je peux... Ah non, faudra peut-être faire un truc pour les bouger, les statues. Là, je peux pas y aller. Bah donc, faut aller par là, alors. Alors par contre, je me suis pas spolié en fait, je ne sais pas, enfin, spolié entre guillemets, hein. Je ne sais pas combien il y a de chapitres avant de finir le jeu, donc je tâtonne, je suis à l'aveugle. On joue, on verra bien. Alors, bah ça c'est pas dur. Ça a l'air d'être ça et ça. Merde, que con. On va faire ça. Oh là ! En voilà un gros. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu mon énergie. Par contre, au niveau de l'esquive, je suis une merde. Dépouille corrompue. Ça se tue, ça? Ah ouais. Elle veut même pas de barre de vie. Alors, nouveau pouvoir. Gantelet de séisme. Ah bah ça c'est pour séisme pour poser les cristaux sismiques et activer les interrupteurs au sol dans l'envue. Il peut également être utilisé pour broyer les ennemis ou repousser les ennemis. Alors, équiper gantelet de séisme. Lorsqu'il est équipé, appuyez sur un pour briser les cristaux violets, d'accord? Ou les interrupteurs. D'accord. Un gantelet.
Ça va être amusant. Crochet spectral. Comme si t'avais besoin d'un prétexte pour continuer à cogner sur tout ce qui bouge. Ah ok, moi j'en ai pas. Par contre, Alors. D'accord. Non, c'est comme ça. D'accord, je vois à peu près le truc que ça fait. Ok, c'est good. Débilos. Ok, j'avais dit sur place. Ah voilà, c'était comme ça. Boum! On vient de revenir dans la chambre principale. Ah, cet endroit est un labyrinthe, et pas du genre amusant. D'ailleurs, aucun labyrinthe n'est jamais amusant. On est où? Ah ouais, on est revenu là. D'accord. Deuxième, il est ici. Là, faut. Ah, ouais, d'accord. Faut que je passe par derrière, sûrement. D'où?
d'où le cristal violet. Boum, du soin. Est-ce que ce serait ah, c'était du par hasard. Enfin, du par hasard. On s'est compris. Ah, c'est ça, hein. On passe par derrière en fait. Allez, venez les petits. Bim. Ah non, c'était des mines. Enfin, c'était du... D'abord on va là, parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre qui se trouve là. Ouais, ouais, je pense que c'est... faut jeter la boule. Je pense qu'il faut jeter la boule en feu, là. Genre, si je fais ça... Et que je fais... Merde. Dès que je fais ça, ok, là c'est pour venir. Ok, ok. Huh?
Ah, j'aime pas parce que je y arrive. Je n'y arrive pas. Mais arrête. Mais pourquoi tu te diriges pas? Ah là là, c'est quoi ce délire? La manette elle est pas pourrie à ce point-là quand même. Voilà. C'était la fameuse énigme. Maintenant on fait... Ah, oh, s'il te plaît. Alors, respecte-moi. Alors... Bah normalement on affronte le troisième squelette. Hein. Non, le deuxième. Ça m'arrangerait à vrai dire. Tu sens la merde à plein. Pas du tout ce qui s'est passé. La barre qui m'enlève. La barre de vie qui m'a enlevé. Mais non, c'est toi que je veux. Je me baignerai dans votre sang. Ça m'arrangerait à vrai dire. Je sens la merde à plein nez. La barre qui m'a enlevé. Je sais pas vous, si vous avez fait gaffe, mais putain. On peut pas se barrer. Passer en phase 2, le truc de ouf. En phase 2, il est encore plus puissant. Je me baignerai dans votre sang. Ça m'arrangerait à vrai dire. Tu sens la merde à plein nez.
Ah merde, je les vois pas les petits monstres. Je suis concentré sur ce qui se passe autour, mais... Oh non, bordel. Putain, je suis un idiot. Je le savais, je le sais que si tu te mets trop loin, il t'envoie sa lance. Je me baignerai dans votre sang. Ça m'arrangerait, à vrai dire. Tu sens la merde à plein nez. Aïe, 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 aïe. Remets de la vie, remets de la vie. Bouge, 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 bouge. 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 Je vais mourir. Ah, il m'a remis des bêtes. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai esquivé. J'étais parti. Putain, j'ai l'impression que, je sais pas, je me bloque dans lui ou le sol me bloque, mais je sais pas ce qui se passe, mais... Putain, c'est relou. Je me baignerai dans votre sang. Ça m'arrangerait, à vrai dire. Je le vois pas, hein. Ah si, maintenant je le vois. Maintenant qu'il brille. Oh putain, ça lance. Je vois rien, je vois rien. On se casse. Tant que je vois rien, je me casse. Le mec il me charge. Il me charge, il me tue. Et voilà, je suis mort.
Qu'est-ce qui se passe? La barre que ça enlève, c'est pas possible. Il y a un truc que je fais mal ou que... Attends, j'y suis allé tout à gauche. J'ai l'impression d'avoir un doute. Ah putain, je suis un abruti fini en fait. Arrête. Moi c'est tout à gauche que je veux aller. C'est là? Ah oui c'est là. Je pense qu'il est trop fort parce que j'ai dû oublier de tuer un squelette avant en fait. C'est obligé que ce soit ça. C'est quoi toucher martel, il est où? Je crois que c'était un truc secret. En fait non. Vas-y dégage toi. Hein ?
c'était juste. Voilà, je crois que c'est lui qu'il faut affronter d'abord avant l'autre. Sérieusement, vous allez vraiment devoir trouver de nouvelles répliques. Pour qu'il soit moins fort ou... Par contre, ouais, il touche pas mal. J'ai pas eu le temps de mettre mon soin. Je suis la viande maigre. Elle sera sûrement plus savoureux que moi. Voilà. Je crois que c'était ça qu'il fallait faire. Je crois qu'il faut affronter les... Il fallait tuer ses deux frères pour qu'ils soient moins forts. Voilà, excusez-moi, maintenant on peut y retourner. Et normalement il doit mourir. Enfin, normalement, il doit être moins résistant. Même seul,
Nul ne peut m'arrêter. Je me baignerai dans votre sang. Ça m'arrangerait, à vrai dire. Je sens la merde à plein nez. Aïe, 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 aïe. J'ai esquivé, mais... Affrontez votre jugement. Ok. C'est quoi ce délire? Phase 2. Enfin. C'est pas sûr, hein, mais moi j'appelle ça la phase 2. Oh le joli coup. Ça c'était joli. Pas possible. Ça sert à quoi de me donner de la vie comme ça, c'est de mettre des barres de vie aussi grandes si c'est pour les... Si c'est pour que quand il met un coup, elle disparaisse quoi. Seul, nul ne peut m'arrêter. Je me baignerai dans votre sang. Ça m'arrangerait, à vrai dire. Je sens la merde à plein nez. Recule, on tire. Quelques exécutions. Ah, elle est belle cette esquive. Il est mort. Bélial sera vulnérable. Je ne miserai pas encore sur un assaut direct. Il faut encore qu'on s'occupe de son arme, quelle qu'elle soit. Je trouve quand même ça étrange, que Lucifer ait choisi un glouton stupide comme Bélial pour l'aider. Il joue toujours un double jeu. Je suis sûr que nous découvrirons pourquoi Bélial est important. Probablement lorsqu'il sera trop tard.
on a fini le chapitre 7. Je crois que j'ai trouvé l'endroit des enfers que j'aime le moins. Alors, l'arme que fabrique Belial, qu'est-ce que tu as appris ? Lucifer est parvenu à créer un portail vers Éden. Les flots d'Éden s'écoulent désormais dans un immense lac en enfer, où Belial les corrompt, formant de vastes rivières d'un poison ardent. C'est impardonnable. Malheureusement, il est impossible de refermer le portail. Cependant, vous pourriez détruire le mécanisme qui crée le poison. Nous devons y aller, maintenant. Je me dois de vous avertir que cet endroit est... Maintenant ! À ta guise. Ah non, c'est ses ailes, je me disais merde. Bon. Bah on y va, on est parti. On enchaîne. Le 8, le barrage. Apparemment, je suis encore au-dessus. Cet endroit est empreint de la puanteur de la corruption. Et moi qui croyais que tu avais encore oublié de laver ton manteau. Belial puise sa puissante énergie dans ses eaux corrompues. Si elles sont vraiment alimentées par les flots d'Éden, cela va considérablement perturber l'équilibre. Restons au sec, c'est tout. J'ai pas envie que cet acide fasse des trous dans mes bottes. Encore des goules. Ah bah moi, il y a exécution, j'ai appuyé sur le bouton d'exécution. Ah, nouveau monstre. Je crois que c'est comme les monstres du feu, ils s'auto-détruisent, ouais. Alors, est-ce que c'est censé être des nouveaux monstres ou c'est les mêmes monstres mais avec le nom différent? Enfin, pas le nom différent mais le...
D'accord, c'est les tons d'acide. Alors, là je peux pas monter parce qu'il y a des pics. D'accord. C'est bien ce que je me disais. Ça c'est de l'acide. Il y a ça aussi. Mais qu'est-ce que j'ai ouvert en fait? Je croyais que ça allait enlever là, mais ça n'a pas enlevé là. Ah d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai vu. Non mais t'es sérieux? J'ai même pas touché à la manette. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Hein, que ce soit un truc qui se rejoint, non? Allez les petits, par ici. Alors. Crache pas partout, c'est dégueulasse. Ah zut, j'ai un truc dans l'œil, c'est bon. Alors, j'ai envie de dire tout ça pour ça, non?
faut vraiment qu'on fasse barrage à ce type. Tu oses plaisanter, alors que nous nous tenons devant un sacrilège absolu. Écoute, je sais que c'est mal, mais garde la tête froide. Là, il faut que tu restes juste en dessous de ton état, chaos, enragé, incontrôlable. Si tu veux pas risquer de perdre un autre bras. Vous avez dû vous mettre à trois pour me retenir la dernière fois. Tu comptes essayer seul ? Oh, sûrement pas. Gardons tout ça pour Bélial. Quel spectacle impressionnant. Complètement dégoûtant aussi. Les seigneurs de l'enfer sombrent toujours plus bas. Mais ça, c'est pas un exploit. Ça me fout même un peu. Je suis décédé. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ça ? Dis-moi pas que j'ai été dans un truc secret. C'est quoi ça ? Si, j'étais dans un truc secret. Enfin, secret. En tout cas, si à un moment donné il me dit oui, il faut tourner des valves, bah j'en ai fait une. Par ici les affreux. Allez, là c'est fermé. Enfin, fermé, bloqué, on va dire. Ah, intéressant. Il faudrait que je trouve une boule. Ah, la carte. Hop.
que je vois. D'accord. Il se passe un truc ici. Lucifer profane Eden. Lorsque nous l'aurons trouvé, je lui enfoncerai mon épée dans le crâne. J'imagine qu'on ferait bien de s'habituer à ces petits rappels d'Eden. Nous avons fait ce qui était nécessaire. Si tu pouvais seulement avoir l'air plus convaincu de ce que tu dis, les Néphilim ont eu tort d'attaquer Eden, je comprends. Mais l'anéantissement... Arrête un peu. Le Conseil a déconné. Ou alors ils avaient d'autres raisons de nous voir anéantis. Fais attention lorsque tu parles de telles choses à voix haute. Le Conseil a des yeux et des oreilles partout. J'ai l'impression que t'es presque d'accord avec moi. Nous pourrons en parler plus longuement quand nous aurons éliminé Belial. Ouais, revenons à la mission. Pour l'équilibre, pas vrai? Bon. Alors. Ah, des fidèles. Des ennemis. Tant mieux. Le silence devient assourdissant. Le meilleur remède au silence est le son de l'acier. Excusez-moi. Quelle régalade! Attends, mais ils sont combien à sortir? Oula! En voilà une grosse bébête dégoûtante. Quelle belle exécution! Alors, pot de pierre. Ah, c'est pour guerre.
faut voir comment il exécute. Scarabée toxique. Ça peut être bien, mais ça peut être chiant aussi. Alors, 25% de... Ouais, mais non, ils disent qu'il faut mettre ça. Ah oui, j'ai coupé pour pouvoir passer, d'accord. Pourquoi? Ah, de toute façon, faut prendre ouais, donc c'est bon. Deuxième van. Ah bordel. Thank you.
Ah purée. Eh oui, le feu ça brûle. Sauf que comment on fait du feu là-haut ? Bah non, j'ai pas besoin de le faire ici. Je suis con, c'était pour suer d'en bas, d'accord. Non, donc c'est bon. On va pouvoir continuer. Aïe, 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 aïe. Squelette. Je regarde vite fait la map. Ne baisse pas ta garde. Quelque chose rôde ici. D'accord. Attends, c'est un... Non, c'est pas une suite, si. Ah non, c'est pas la suite, c'était juste le...
C'était juste pour prendre ça, d'accord. Allez. Voilà, on arrive à la fin. Enfin, du moins, je crois. J'ai juste un truc à vérifier. D'accord, et ça? On fait pour aller de l'autre côté. Ah oui, ça projette, d'accord. Et là, ça sert à rien que je vienne parce que ça sert à rien. D'accord. Bah c'est cool. Bah on va repartir là-bas. Et là, on va passer de l'autre côté du pont. Voilà, désolé, hein. Hop, on y va. Ah ah, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est ça l'arme?
Non, arrête, tu vas mourir. B. J'appuie sur B, non mais attends. Tu vas pas me faire. Tu vas pas me faire des trucs. C'est dur, hein. Enfin, c'est dur. Voilà. Soulagé. Qu'Eden ne soit plus corrompu par Bélial ? Oui, qu'il soit encore en vie. Non. Je suis bien d'accord avec toi, mon pote. Alors, augmente la fenêtre de parade de guerre de 02. Tu es un ennemi, augmente de puissance de tech, de puissance de courroux et de discorde de 3%. Alors, ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que... Bon, tant pis. Alors. Comme d'habitude, on va faire notre compte-rendu. Es-tu satisfait, cavalier? As-tu soulagé ta conscience en sauvant Eden de l'œuvre de Bélial ? Le royaume de l'homme n'est plus qu'une terre de désolation désormais. Pourquoi t'en préoccuper ? Dans la bouche de l'ancien souverain du pire trou à rat de l'enfer, c'est plutôt drôle. Nos préoccupations ne te concernent pas. Tu peux nous livrer Bélial ou pas ? Oui, bien sûr. L'œil clairvoyant. Ouais, il voit tout, on a compris. Ce type adore vraiment son espèce d'œil, là. Quelle impétuosité! Ne laissez pas votre excès de confiance causer votre perte. Bélial a été longuement exposé à la puissance d'Eden, et il ne sera pas facile à vaincre. Ouais, ben... nous non plus. Ouais, j'ai perdu pas mal, hein, déjà. Enfin, pas mal de fois, donc... Allez, on va aller affronter Bélial. C'est le sanctuaire de Bélial. Alors, son garde-manger. Ne fais pas de bruit. La corruption a rendu les rances. Si on ne se tire pas d'ici rapidement, je vais attraper la gerbe. C'est parti. Ouais, ça se passe comment? Ah, comme ça. Bélial, mon chou, t'es où? Ouais, c'est là.
C'est pas ça que je voulais faire, hein, c'est ça. Ah, Belial. Oh, le dégueulasse. Il est rapide pour un gros. Enfin, tu vas me dire, il téléporte. Hein. La téléportation, c'est pas de la rapidité. Que là il va passer. Oh là là, en phase 2. Je sais pas si je dois l'attaquer lui directement. Je suis coincé. Ouais, je pense aussi que c'était ça que je devais faire. Ouh! Faille mourir! Ouais, mais... No!
change. Putain de merde. Oh non, putain, je suis... Normalement, il me touche pas. Oh, il est tellement relou, le boss. Bon, on va le jouer avec guerre alors. Thank you.
Merde, putain, je tire à côté. Allez, vise. Oh non, je suis dedans. C'est un poison. Je suis mort par quoi? Aucune idée. Meurs, le gros. J'espère que t'as profité de ton dernier repas. Et si on lui ouvrait l'estomac pour en révéler le contenu? Où est Lucifer? Tu vas parler, démon? Tu ferais mieux de répondre avant qu'on te serve le dessert. Attendez, Lucifer m'a accordé ce royaume. L'accès au flot. Ton ignorance te sauvera pas. Je peux vous faire entrer dans les... Là, peut-être. Comment? Le sphère a trouvé un chemin. Regardez. C'est dégueulasse. Nous allons épargner ta pathétique vie. Mais avec le temps, tu le regretteras peut-être. Pourquoi c'est à moi de tenir la pierre de vomi? Eden sera votre tombeau. Bélial, espèce de créature stupide. Ton incroyable échec peut encore me servir. Mais il doit quand même être sanctionné. Éternellement. Ah. Bélial, les attaques générées... pardon, on génère des soins autour de 2% de... Imposteur. Serait-il possible que derrière tout ce qui se passe, ce ne soit pas Lulu, mais quelqu'un d'autre ?
On va voir ça. Les manigances de Lucifer vont bien au-delà de la simple ingérence. Nous ne tolérerons pas qu'il continue à corrompre Eden. Bélial nous a donné la clé. Quel a été le sort de ce sac de viande perpétuellement affamé? Qui sait, il respirait encore quand on l'a laissé. Enfin, à vrai dire, il faisait plutôt un genre de gargouille. Quelle déception. J'espérais que vous vous montreriez plus rigoureux. Quant au sort d'Eden, nous pouvons nous arranger. Laisse-moi deviner, t'as encore besoin d'un petit service? Tu m'offenses, Discord. Vous m'offrez les moyens de mes ambitions, Vulgrim vous ouvre la voie. Une simple courtoisie entre amis. Ah, ouais. Le cristal de Bélial, c'est une serrure du néant. Il révèle un chemin qui resterait autrement occulté par Lucifer, semble-t-il. Malin, oui. Très malin. Tu m'as l'air très intéressé, et ça... ça m'inquiète. Nous partons pour Eden. Ah! Serait-ce la fin? Nous serions peut-être sur la fin du jeu? Le cœur d'Eden! Il y a découvert un chame caché dans Eden, les cavaliers se rendent sur les terres de l'espoir d'affronter Lucifer. Donc, ouais. Il y a moyen que ce soit. Ce soit peut-être la fin. On ferait peut-être Eden et après le combat contre Lulu. Oh bordel! C'est ça Eden? C'est dévasté, je trouve. Enfin. Est-ce que ça vaut le coup de le sauver, le truc? Eden, il brûle toujours après tout ce temps. Cet endroit, c'est un tombeau. Personne ne devrait être ici, même pas nous. Tombeau, notre tombeau. Venez, reposez avec nous, frère. Reposer. Des Néphilim, c'est impossible. Quelque chose les a ramenés. Ou quelqu'un. Je mets un billet sur Lucifer. Par contre, les dessins sont magnifiques. Super créature, tes frères et sœurs vivent par ma seule volonté. Et meurent aussi par ma seule volonté. La volonté d'Astarté. Astarté? Tu étais un ange. Tu avais le devoir de garder Eden. Lucifer m'a montré une nouvelle fois un moyen de m'échapper enfin de ce cimetière. Vous, en revanche, vous serez enterrés ici, parmi les morts. Par contre, ouais, les dessins sont magnifiques. Ah, traître. Faut affronter Astarté. Faut affronter Astarté ou faut... Bah, non, faut... Faut affronter Astarté, d'accord. Où tu es, Astarté? Bah voilà, je l'ai vu. Thank you.
Brut Néphélim. Ah si c'est bon, je peux revenir sur, sur mon cheval. Je préfère le flingue. Ange infernal. Les attaques au corps à corps, 5% de chance de générer des munitions parce qu'elles infligent des dégâts. Bah c'est cool ça. Ténéphilim, sois maudit à starter. Un peu décevant son combat, mais bon. Vous allez répondre de vos crimes. Fais attention, elle canalise de l'énergie. Elle est où? Allez là-bas. Allez, sortez! Je comprends pourquoi elle pète les plombs si elle est restée là parmi les morts.
C'est là que tu dois tomber. Vengeance, tu as transformé nos frères défunts en jouets. T'en veux de la vengeance, sale putain de monstre. Je souhaite l'avoir morte autant que toi, frère. Mais nous devons garder nos esprits. Le conseil voudra des réponses. Ah, tu oses me traiter de monstre, cavalier. Mais que fais-tu du sang que tu as sur les mains? Ne profère pas un mot de plus, ange. Vous n'êtes que des mouchés. Des traîtres abjects qui avaient anéanti les vôtres. Et à quelle fin? L'équilibre. J'ai pitié de vous, cavalier. Quant à toi, Discord, je connais ton passé. Guerre, il s'est lâché, là. Il ne restait plus rien à apprendre d'elle. Nous chercherons ailleurs les traces de Lucifer et de ses ententes. C'était... Guerre, écoute. Ce qu'elle a dit... Quels que soient les secrets qu'elle détenait, je préférerais les entendre de ta bouche. Un jour, je te dirai tout. Un jour, j'en ferai autant. Ça a été plutôt rapide. Enfin, rapide. Astarté. Rage la distance entre votre cible. Explose avec un délai infligeant. Très léger. Le monde des ennemis tués pour dévorer le monde, provoquant une explosion de. Inflige aux ennemis à proximité et gagne la fonction de la puissance de. D'accord. Bon, en même temps, on n'a pas vraiment fouillé l'Éden, hein, mais... Mais j'ai pas l'impression qu'il soit là, Lulu. C'est ce que nous craignons. Éden est corrompu par l'influence occulte de Lucifer. Il n'en a pas encore terminé avec ce monde défunt. Il recèle encore bien des secrets. Il pourrait utiliser pour satisfaire ses desseins. Désormais... D'autres sont entrés dans Éden en empruntant le chemin ouvert par Lucifer afin de l'aider. Alors nous devons détruire ce chemin. Ce ne sera pas une tâche simple. Pour commencer, j'aurai besoin d'un objet renfermant une immense puissance angélique. Et quel ange accepterait de nous aider? Je vous le demande. Aucun qui soit en vie. Même les cieux ont eu recours à leurs armes les plus puissantes pour affronter les Néphilim. Peut-être y trouverez-vous, parmi les défunts, une telle relique? Oui, la pierre des aînés. La pierre quoi, tu dis? La pierre des aînés renferme le pouvoir divin dans sa forme la plus pure. Apportez-la-moi, et peut-être pourrons-nous refermer la porte ouverte par Lucifer. Et donc on retourne à Éden. Merde, j'ai appuyé trop tôt, mais bon. Ah bah donc on y retourne. Je pense que le truc sera différent, mais bon. La chute du bastion. Ok, c'est parti. Go to the Eden.
pitié, dis-moi que c'est la dernière fois qu'on fout les pieds ici. Je suis d'accord. Récupérons la pierre des aînés et quittons cet endroit. Le coup de pompe qu'il met dedans. Jeune larve, augmente la puissance. Allez, dégage. Elle est où la grosse larve? Elle est partie? Un ange! Par contre la musique... Putain les anges qui sont morts là. Traître, vous allez rejoindre les autres Nephilim dans les limbes de l'oubli. Il est tu, non mais... Ces anges te paraissent pas un peu... louches ? Nul ne peut dire quelle corruption Lucifer a déchaîné ici. Mais nous devons y mettre un terme. Ouais. Ange corrompu. Commençons par... cela. Cavalier, vous osez revenir ici? Ah merde, j'ai pas... Toujours bloqué ici, je vois. Ah non, c'est Abaddon, d'accord. Ce n'est pas par choix que nous revenons. Toi, tu es ici depuis... la guerre? Depuis le massacre, oui. Je suis chargé de protéger ce royaume contre une nouvelle invasion. De protéger ses secrets contre les païens tels que vous. Nous sommes ici pour Lucifer. Apparemment, toi et lui avez déjà fait connaissance. Il a anéanti mes forces, propagé la corruption dans nos rangs. Même Astarté, mon plus noble guerrier, a été perverti. On s'est déjà occupé d'Astarté. Elle ne tourmentera plus les morts. Je suppose que je devrais vous remercier. Ce monstre que vous avez affronté, ce n'était pas Astarté. Elle était plus qu'un soldat à mes yeux. Je n'ai peut-être même pas su trouver la force de la terrasser comme une ennemie. Vous m'avez rendu un grand service, mais le mal se propage encore parmi nos rangs. Les anges corrompus déferlent sur nos forces. Les anéantir serait une miséricorde et un coup dur pour les ambitions de Lucifer. Faites cela pendant que je recherche la source de corruption. Nous détruirons toute corruption que nous trouverons. Condition que cela ne nous retarde pas dans notre mission. Une alliance temporaire dans ce cas. On en a déjà conclu pas mal ces derniers temps.
C'est Jean-Michel. Jean-Michel Abaddon. Comment monter là-bas? Mais c'est pas ça, hein. Oh, la musique! Bon, tant pis. Je vais arriver ça plus tard. Allez, on va continuer, hein. Je suis décédé. C'est quoi ça? C'est les ghouls. Nos amis les ghouls. Où je suis? Je suis là. C'est quoi ça? Le
Le nouveau pouvoir, l'étincelle d'éther. Pas un expert, mais je dirais que c'est sans doute la pierre des aînés. Elle contient assez de pouvoir divin pour façonner des mondes. Elle doit être utilisée avec discernement. Un grand pouvoir ? Une grande responsabilité ? Ah ben, je m'en occupe. Meurtrier, nous vengerons Astarté ! Votre présence ici profane cet endroit. Champion angélique. Ça c'est niveau 2, niveau 1, niveau 1, niveau... attends. Ça c'est quoi? On va mettre ça. Là, on va mettre santé. Merde, je l'ai enlevé. Attendez, je vais faire ça. Ça, c'est type attaque. Donc, il faut... D'accord, faut que je mette un type attaque. Type santé. Type cool. Ouais, c'est ça. Type courroux, on va mettre ça. Là, type courroux.
Ça, c'est un type attaque. Ça, c'est un type santé. Et lui, c'est un type libre. Et lui, c'est un type libre, d'accord. Pas ça. Ah, je me gourre. Bon, je vais pas le mettre, je mettrai plus tard. Voilà, excusez-moi hein, du retard. C'est quoi ce délire? Ah, c'est moi qui... D'accord. D'accord, ok, super. D'accord, nouvelle mécanique. Entrons maintenant. Dis à Vulgrim de se tenir prêt. Cavalier, attendez. Vous devez nous prêter votre force. Aidez-moi à purifier cet endroit. Je crois qu'on a purifié bien assez de choses pour aujourd'hui. Nous pourrions mettre un terme à ceci, Discord. Peut-être que nos frères tombés au combat trouveront la paix, eux aussi. J'ai vraiment envie de foutre le camp d'ici, pas toi? En plus, chaque seconde qu'on perd ici, Lucifer s'éloigne un peu plus de nous. Écoutez-moi. Au sommet de cette flèche se trouve une abomination. Elle répand la corruption parmi mes frères et sœurs. Je n'ose envoyer d'autres de mes soldats l'affronter. Ceux qui sont tombés combattent maintenant à ses côtés. S'il vous plaît, rendez-vous au sommet de cette flèche et anéantissez-la. Ce sera fait. La flèche, quelle flèche? Ah. Ouais, comment on y va? Alors, cherchons. Il doit bien être quelque part. Ah bah il est là. Ça va, c'est pas trop... Thank you.
Je crois que les corrompus sont morts à la base. Mais non, c'est pas ça. Je croyais que je faisais une exécution, en fait j'étais à côté du panneau. Pour récupérer la carte. Je pensais que... C'est peut-être un mauvais souvenir, mais je pensais que le 1 se passait dans un... Sur Terre, mais dans un truc un peu... urbain, je crois. Quoi? C'est un faux... Non, c'est pas un faux trou. J'ai... Alors attends, je suis peut-être mignon, mais... Je croyais que j'étais dedans. Normalement, ça augmente la santé. J'ai vu quelque chose ici. Non? Ah si, là. J'ai dû me gourer. On doit peut-être pas y aller comme ça. Non. Ah d'accord. Après ce qu'on a fait, ce que nous avons fait était nécessaire. L'existence même des Néphilim était un affront fait à l'équilibre. Des Néphilim? Tu parles comme si ce n'était pas les nôtres qu'on avait enterrés ici. Nous sommes les cavaliers. Nous sommes quatre. Nous avons été choisis. Absalom a scellé le destin des Néphilim lorsqu'il a attaqué Eden. Leur fin était inéluctable. De notre main ou d'une autre. Mais ça a été de notre main. Parfois, je me demande si c'était pas un genre d'épreuve. Pour voir jusqu'où le conseil pourrait nous pousser. Tu veux dire, pour mettre notre loyauté à l'épreuve? Qui sait? Mais il faut que je te dise, je sais que tu veilles sur moi. Et tu peux être sûr que j'en fais autant pour toi. Ensemble, nous chevauchons vers l'oubli. C'est enfin, je sais pas si c'est des oiseaux, mais j'ai l'impression que c'est des oiseaux. Je sais pas à quoi ils... Il y en a un peu partout dans les stages, mais je pense que ça doit être dans les quêtes. Je dois en tuer, je dois tous les tuer un certain nombre. Mais par contre, la musique depuis tout à l'heure, elle me...
Il était en bas? Bizarre, j'ai activé, ça n'a rien fait. Discord, tu oses montrer ton visage ici, après ce que tu as fait. À ta place, je m'inquiéterais plutôt de ce que je vais te faire maintenant. Quelle arrogance. Maintenant, tu vas payer pour tes crimes. Et par quoi, frère ? Combattons ! Elle m'a tué. Je vais mourir. Je me casse. Non, tu fais pas venir des mecs à chaque fois. Surtout des putains d'archers. Ange spectral. Augmente le nombre de tirs de mon enchaînement, de discord. Attaque. Exécuteur. Rage. Pas de guerre. Exécuter une ruée, 25% de chance de créer une traînée. Ah oui, ça c'était la fameuse traînée. Ça c'est rage, la distance de votre cible. La distance de votre cible
et vous explose après un délai. Inflige des dégâts légers en fonction de la puissance du courroux. Dévoreur de monde, les ennemis tués avec dévoreur de monde provoque une explosion. Inflige. Les ennemis à première extrémité un dégât léger en fonction de la puissance de. On va mettre ça. Attends. J'ai réussi ou moi? J'ai pas l'impression. Autres morts. Tu as pris ce poignard dans le trésor de Mammon. Quelle importance a-t-il à tes yeux? Je l'ai utilisé une fois pour une mission. La pire mission qui soit. J'avais réussi à l'oublier. Presque. Tu ne me connais pas, Guerre. Même avant tout ceci, j'étais un tueur. Je n'avais pas besoin de cause. J'aimais ça. Je suis sûr que c'est pour ça que le Conseil m'a choisi. Le passé est révolu. Laisse-le où il est. Aucun de nous n'est plus ce qu'il était avant. Je sais ce que je suis. Et je continuerai à faire le sale boulot du Conseil. Tout ce que je veux, c'est savoir pourquoi j'appuie sur la détente. Et tu penses que moi, je suis aveuglément ses ordres? Je crois que si tu continues à me parler du devoir que nous avons juré d'accomplir et de la préservation de l'équilibre, je vais te tirer dessus. Tu as raison de t'interroger, frère. Attends, on est d'accord sur quelque chose? J'ai besoin de m'asseoir, là. Finissons ce que nous sommes venus faire ici. Laissons cet endroit et ses fantômes derrière nous. La prochaine fois, je les arrête. Oh non, dans le rocher.
Allez, faut se dépêcher, il est bientôt l'heure. Normalement on arrive bientôt au bout de... Pas au bout du jeu, mais au bout de... Comment on appelle ça? Oh non, mais quand j'ai esquivé, j'ai cru qu'il est tapé dans le... C'est vrai, mais malheureusement, on a suivi les ordres. Donc, d'après ce que j'ai compris, en fait. On serait des Néphélim qui ont été choisis par le conseil pour devenir des cavaliers en fait. J'ai rien compris. C'est possible ou pas? Elle fait mal, hein. Oh bah il est coincé. Je peux vous dire que je vais en profiter. Ah mieux. Attends, je suis désolé, hein. Ça fait partie du jeu, hein, s'ils ont eu un souci avec le level design. C'est pas ma faute. Désormais, les Néphilim peuvent enfin connaître le repos. Et Abaddon nous laissera peut-être enfin tranquille. Retournons dans le néant. Récupère vite fait le cadeau. Enfin le cadeau. Ouais, c'est ça. Attends. Ah merde, vu que le chapitre est terminé, ça marche plus. Ah si, ça marche. Ah,
D'abord, faut faire ça. Oh là là. C'était pas mal. Hein. On va se finir sur ça. Doucement, doucement. Oula, oula, oula. D'accord. Ah, la boule, elle va de plus en plus vite. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais elle prend de la vitesse. Et donc, j'ai l'impression que plus ton chemin est long. Ah, saloperie. Plus ton chemin. Oh non, l'arbre. Ouh là là. Plus ton chemin est long, plus ça va être tendu. Oh là là. Ah non! Allez, dernière, hein. Si j'y arrive pas, je coupe. Enfin, je coupe. On terminera le... Bon, allez. Pourquoi je suis monté? J'ai refrain off, c'est pas grave. Alors, oui, la pierre des aînés. Donne-la-moi. J'ose espérer que vous en avez pris soin. Ou le plus grand soin. C'est du sang séché. Il devait déjà être dessus. Quoi qu'il en soit, je devrais pouvoir condamner les passages vers Eden ouverts par Lucifer, comme je vous l'ai promis. Laissez-moi maintenant. Alors j'imagine qu'on va devoir écraser cette grosse limace avant que ça n'arrive. Pas tout à fait. Vous devriez aller parler avec Samael. Il a des nouvelles... troublantes. Troublantes. Tout ce que j'aime. De Lucifer à Eden sera bientôt condamné, mais je crains qu'il ait déjà terminé ce qu'il avait entrepris là-bas. Il a promis Eden à un autre. Un autre ? Dagon, celui qui se fait appeler le roi englouti, a revendiqué Eden au nom d'un quelconque pacte. Il en a déjà commencé la purification. Ça a pas l'air si mal, si ? La purification de Dagon est un immense déluge qui noiera ce monde. Tout ce qui est vivant sera emporté par les eaux. Il restera un territoire vierge sur lequel bâtir son royaume. Alors j'imagine qu'on va devoir écraser cette grosse limace avant que ça n'arrive. Dagon, qu'on
compte sur son fidèle invocateur des tempêtes pour déclencher l'inondation. Si vous arrêtez ce chaman et ses fidèles, vous mettez un terme aux ambitions du roi engloutier. C'est... Il y a une part de moi qui s'habituerait plutôt bien à l'idée de voir Eden anéanti. Eh ben, on n'est pas prêt on n'est pas prêt d'aller voir Lulu. Un nouvel ennemi. Qui... Ouais, ça va, on sera... Bon. Sur ce, on va se laisser là. pardon. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, c'est... Ça me plaît toujours autant. J'ai pas mal failé, mais bon, au niveau des monstres, des boss, mais bon, ça c'est... Voilà, hein. On se refait pas. Je vous dis à tous, à bientôt. Prenez soin de vous. À ciao les amis.